chers amis, depuis le début de l'agression, depuis le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, nous avons enregistré jusqu'à ce matin 197 morts, personnes assassinées. Ce sont des civils qui sont morts dans leur maison, oui, dans leur maison. Et parmi ces 197 victimes civiles assassinées dans leur maison, nous comptons 58 enfants. 58 enfants qui ont perdu la vie à cause de bombardements aveugles, de bombardements systématiques à l'égard contre les civils palestiniens. Il y a encore 34 femmes parmi les victimes depuis le début de l'agression. 1300 blessés sont comptés parmi aussi les victimes. Et si on ajoute à cela toutes les maisons qui ont été détruites par les avions israéliens qui bombardent d'une façon aveugle et d'une manière venue marquer votre solidarité avec notre peuple. Chers amis, il y a d'autres interventions. Nous avons prévu aussi des interventions des partis politiques, en tout cas des partis politiques qui sont présents. On va leur donner la parole. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، فلسطينيين وعرب موجودين معنا هنا في هذه الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هجمة همجية لأنه لا يوجد صفة أخرى نسمي بها ما يجري من قبل هذه السلطة الإسرائيلية الفاشية المتطرفة التي تحكم في تل أبيب. الشعب الفلسطيني في غزة كما في القدس كما في حي الشيخ جراح، شعبنا هناك صامت، شعبنا موحد من مناطق 48 حتى 67 بقطاع غزة بالضفة الغربية كما في الشتات الفلسطيني. لأول مرة الشعب الفلسطيني بهذا المستوى من الوحدة، لذلك لا تخافوا، شعب فلسطين صامت، شعب فلسطين مستمر في صموده وسينتصر. النصر سيكون لصالح شعب فلسطين بفضل صموده أولا وبفضل الدعم الدولي الشعبي مع شعبنا. Le peuple palestinien est vainqueur ses ennemis grâce à sa résistance d'abord et grâce au soutien de la solidarité internationale. Chers amis, on va de nouveau donner la parole à d'autres intervenants. Restez bien sûr avec nous. Nous allons rester ici jusqu'à 18h30 plus ou moins. Et nous allons aussi écouter de la musique populaire palestinienne entre temps. Mes amis, avant de donner la parole, نفتح الأقصى.
populations qui nous ont permis de prendre la parole aujourd'hui. Pour nous de prendre la parole ici, de soutenir le peuple palestinien, un peuple qui souffre, un peuple qui lutte et un peuple qui résiste. Aujourd'hui, certains veulent nous faire croire qu'il y a deux personnes, deux à deux, à égale distance. C'est faux. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est pas un conflit entre deux parties. Ce qui se passe, c'est une politique illégale d'occupation et de colonisation. C'est un État oppresseur, colonisateur, face à un peuple qui résiste depuis 73 ans. Ça fait 73 ans qu'Israël oppresse le peuple palestinien en toute impunité. Combien est-ce qu'il faut de morts? Combien est-ce qu'il faut d'enfants, de civils innocents, bombardés avant que les pays occidentaux n'agissent? Biden, qu'est-ce qu'il a dit Joe Biden? Joe Biden, il a dit qu'il n'a pas remarqué de surréaction significative de la part d'Israël. Et en Europe, qu'est-ce qu'ils ont dit en Europe? Ursula von der Leyen, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit. Elle dénonce les attaques contre Israël. Et en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Le camarade l'a dit ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit ici, en Belgique? La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle refuse de prendre parti. Elle a dit qu'elle ne veut pas prendre parti et elle appelle à la désescalade. Mais Madame Wilmès, ce n'est pas une désescalade qu'il faut. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est stopper tout de suite cette politique d'agression envers les peuples palestiniens. Il faut arrêter cette hypocrisie. Mais à côté de ça, il y a toute cette bonne solidarité. Il y avait Bruxelles, il y avait Anvers, il y a Liège aujourd'hui. Ils ont refusé de charger des bateaux remplis d'armes qui devaient aller à Israël. Les travailleurs et les syndicats ont refusé de charger ces bateaux. Ça, c'est des actes concrets. C'est ça la solidarité internationale. Et bien sûr, on va gagner. On ne doit rien lâcher, on doit continuer à travailler. في معنى قبل أن أعطي الكلمة لإحدى الجمعيات الشبابية هنا جئت لأتحدث عن فلسطين منذ عدة أيام.
نقص بغزة ولا زالت تحت القصف العنيف، القصف اللي أصاب الناس حتى القبور لم تسلم منهم، وهناك العديد من الشهداء والجرحى، لأن طائرات الاحتلال تستهدفهم. لذلك رجاء ادعوا لغزة، ادعوا لنا وانشروا كل ما يحدث في غزة في مواقع التواصل، واتمنى رسالتنا توصل لجميع العالم والكل يقف معنا، واتمنى السلام لأهلنا في غزة فلسطين حرة.